Il y a du monde qui nous demande c'est quoi être Québécois. Tu sais, pour moi, être Québécois, c'est justement se demander c'est quoi être Québécois. Québécois? C'est comme si on était une grande question sans réponse. Québec. Je suis né ton fils. Falardeau! Au pied, Falardeau! Je suis né en voulant me séparer. Et j'en mourrai convaincu. Une chose est sûre, mon pays n'est pas une Molson canadienne. Tu sais, dans le fond, les premiers colons, là, il n'y avait même pas de char. Là. Ah non? Hein? Ils mangeaient des racines. C'est fou, hein? Un pays, c'est comme une maison. Là. Tu t'excuses-tu, toi, quand tu rentres chez vous? Ben non. T'ouvres la porte, tu rentres, puis tu dis « Hey, c'est chez nous ici. Ouais. C'est ma maison. Ouais. C'est moi qui paye le loyer au propriétaire. Hey, hey. Québec! » Attends, vois-tu, moi, c'est pour ça que j'aime ça venir ici. Ouais. J'aime ça venir ici parce qu'ici, on est libre. On fait ce qu'on veut, là. Il n'y a pas de voisin là, qui vient nous achaler ou nous dire quoi faire. Ouais. C'est notre petit pays à nous. Ouais. Petite biérette. Petite fumette. Du Québec. Météo Média, meilleur menteur du monde entier. À quand les étoiles qui ne meurent jamais? J'ai amené bien des légumes aussi. Un bouillon. Ouais, parfait, ça. Mettre ça sur le feu, puis... Ah, ouais. Manger ça avec une tranche de pain. Complètement Martin Picard. Je me suis jamais vraiment remis de la défaite du référendum de 95. Ça a fou des conseillers d'arbres là-bas. Ouais, moi, je vais du prendre une petite sieste. Bon, c'est sûr que j'étais vraiment jeune. Mais c'est le genre d'événement que t'oublies pas. En même temps, j'en garde vraiment aucun souvenir. Mais c'est sûr que j'oublierai jamais ça. Check ça. Ça, là, c'est toute la tornade qui a fait ça. C'était pas de même avant, ça. Ça, cet arbre-là, il y avait des branches, puis de l'écorce. Puis là, la tornade, ouais. Elle a comme... enlevé les branches, puis l'écorce. Ouais. Ça a tout enlevé les écorces, tout. Là, on dirait un poteau d'hydro. Mais c'était pas de même avant, hein. Ça, c'est important d'avoir des racines, ça. Ouais. Bon, garde-les qui s'entraînent encore pour l'armée du Québec. Hey!
Tu sais, l'affaire, c'est de croire que la poésie peut réellement avoir un impact dans la société. C'est le pouvoir des mots, ça. Prends le mot pays, mettons. Ce petit mot-là, à lui tout seul, là, il a le pouvoir de changer le monde. Puis nous autres, notre job en tant que poète, c'est de savoir s'il existe encore ce mot-là. S'il existe encore au fond de nous-mêmes, au bedon ailleurs, un pays qu'on nomme le Québec. C'est à nous autres de le trouver pour le faire voir aux autres. Il me semble que t'avais peur de l'eau, toi. Pas peur de l'eau, j'ai peur des lacs. Hein? Ouais. Quand j'étais jeune, mon père était bien chrétien, puis il m'a baptisé trop fort dans un lac. Depuis ce temps-là, j'ai eu l'église. Oh, check, y'en a un gros drette, là. Cette drette-là. T'sais, si on veut se séparer, c'est aussi pour protéger la nature. Un moment donné, une tortue avec une paille dans le nez, c'est plus une tortue. C'est une torture. Québec. Québec. En 1900 tout, en Abitibi, dans mon pays. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est toi? Toi, t'es un assiste fédéraliste. Pardon? T'es un assiste fédéraliste. Redis ça juste une fucking fois. Ouais? Hein? T'es un assiste fédéraliste. Hey, c'est quoi ton ass? Ouais, man! Ah! T'es con! Ah! Chris, tu m'as fait mal, man! Ah! Arrête! Bonne nuit! Ouais, ouais, ouais! Oh, 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 ouais! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! La nuit, là, des beaux rêves, parce que c'est dans les rêves que naissent les projets qui en valent la peine. Il y en a qui pensent que parce qu'on est né dans boîte, on est un petit peuple. Mais c'est justement là que naissent les grands peuples. Plus jamais nos révolutions y vont être tranquilles. On va être des épouvantails époustouflants à la recherche du pays. Pas besoin de vivre ailleurs. Moi, je reste ici.